C'était quoi le casque que tu... C'était pas un casque, c'était des brassards. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate, bravo, Divinity Original Sin Enhanced Edition, toujours accompagné de Broudaf. Donc vous avez vu des épisodes de lavage de cul en bonne et due forme, mais évidemment tout ça c'était pour mieux apprécier notre triomphe quand il allait arriver, et il est arrivé. Alors, il n'y avait rien d'autre que ça, ici. C'est juste un endroit complètement secondaire pour taper un mec secondaire. Quoi ? D'accord. Bon, on nous a parlé de la forêt du destin ou de l'origine ou je sais pas quoi, là. Il y a un cadavre qu'on peut looter, mais il faut vraiment... Il y a genre un millimètre où tu peux looter, quoi. Mais non, ils sont vides. Dommage. Bon, on avait vu que ce fight, on pouvait quand même l'esquiver. Hein. Et il n'y a pas de parchemin... Ok. Il n'y a pas de lettres, il n'y avait pas d'ordre sur lui. Il y avait des livres. Il y avait deux livres, mais apparemment... Enfin, je sais pas, après j'en avais qu'un seul en main. Ouais, mais c'est pas des ordres secrets ou je ne sais quoi. Non. C'était une petite histoire là, con. Ouais, c'était pas noté ordre de Jarrette par... Non. Yolanda, je sais pas quoi. Bah... Ce qui est marrant, c'est qu'il nous demandait d'être l'un à côté de l'autre pour passer cette porte. Enfin, dans cette grotte, et elle ne mène à rien. C'est très bizarre. Non, et puis ça mène à rien, je regarde, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chemin et il n'y a pas l'air d'avoir de dalle ou d'échelle quelque part. Donc j'ai vraiment l'impression que c'était juste pour le taper lui, quoi. Tiens, j'ai un bâton, tu verras si ça te va ou pas. Son bâton, mais... Je lui avais dit de vous prendre son bâton. Non, c'est de la merde. Bah, tu le revendras. Ouais. Après, si on avait fait le dialogue avec Bédor, peut-être qu'on avait un truc spécial après, quoi. Bah non, là c'était fait avec Bédor sur cette phase-là, quand on l'a tué. Oui, mais j'ai... Oui, sauf que j'ai mis fin à la conversation, j'ai tapé. Ah oui, c'est vrai. Pour éviter que ton sort soit gâché. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va pas dire que c'est mon sort qui a fait qu'on a gagné, mais on a pris moins cher. On a pris un peu moins cher. Ouais, sur les deux premiers tours, on n'a pas pris de dégâts, quoi. En gros, c'est ça. Bah très bien. Donc, mais maintenant, que devons-nous faire ? Bah, on a fait la prison, on a fait ce truc-là. On va ressortir. Bah moi je propose de retourner au... Alors moi j'aime bien c'est quand au tu désert, lis... Au désert il y a un chemin. Il y a un chemin qu'on n'a pas pris puisque bah on avait un peu de mal dans le désert. Ouais, moi j'aime... Y a pas un TP. Il y a un TP. Ouais mais comme ça on est... Parce que le TP il va nous emmener... Bah pas loin. Ah. Parce que là, je suis pas sûr. Ah si, tu peux. Ouais, par le. Ouais, attends. Par là. Non, t'es parti de l'autre côté. Tu es parti dans l'autre droite. Oui, non, c'était à droite. Oui, parce que je disais à droite par rapport à comment on était tourné. Ah oui, mais il y avait ça, les bulbes. Alors par contre, on avait su. Tu voulais réessayer les bulbes. Bah, c'est le seul chemin pour aller vers. Mais ils sont juste en face non, de toi. Il y avait le chemin. Il y avait le chemin des araignées qu'on n'avait pas fait. Bah oui. Bah pour aller dans le désert, si tu passes par là, le seul chemin c'est par les bulbes. D'accord. Sinon, on se TP. Alors, toxique bleu, toxique rouge. Rouge, je dirais que c'est du feu. Non, ça doit pas être ça. C'était le bleu, le feu.
Mm-hmm. Oula, ça fait un truc bizarre là. Ouais. Le son était bizarre. En effet. Ah, on peut même pas les téléporter, c'est nul. Ah, ça fait des bruits bizarres. Hein. Moi je serais pour la TP et on prend le chemin par le... Non. Je sens qu'on va faire bugger le jeu dans pas longtemps. Ouais, mais il y avait un truc ici qu'on avait, qu'on pourra pas aller voir sinon, non? Bah, je sais pas. Ça a l'air d'être le chemin, un des chemins pour aller au désert. Hein. Il y a un truc derrière qui n'est accessible, je crois, que par les bulbes. Oui, c'est le temple, mais non, le temple est aussi accessible par le désert. Ça avait pas l'air d'être le temple. Bon, bah écoute, on va y aller, ouais. Alors, attends. C'est où? C'est quoi le nom du TP? Alors, soit on repasse par le chemin où on, est allé, où on était passé, on s'était fait laver le cul. Soit on passe par le village gobelin. Et il y a un chemin c'est apparemment. Non, il y a des araignées à tuer. Où ça? Là où on s'était fait laver le cul, comme tu dis. Bah oui. Mais soit on passe par le village gobelin pour aller à l'endroit où on s'est fait laver le cul, ou alors on passe par voilà, même pas celui du village gobelin. Moi je suis revenu au village des Immaculés. Attends, je me suis trompé. Je comprends rien. Il y a un truc qui s'appelle le village gobelin, on l'a pas. Attends, moi je suis où? Pourquoi on n'a pas celui du village gobelin? Bon, j'arrive. J'arrive. Je vais à Val d'Argent parce que moi je vois qu'il y en a un sur le village gobelin, mais je l'ai pas dans ma liste. Donc je comprends pas pourquoi. J'arrive. Je vais aller revendre des trucs moi pendant qu'on y est. Au village gobelin. Non, on n'est pas au village gobelin là. C'est le village des Immaculés. En village immaculé plutôt, oui. Je pense qu'ils auront eu le temps de récupérer de l'argent. J'espère. Ah bah oui, lui il a 5000 balles. CB. Ah bah elle a la 5500. Très bien. Et deux. Alors je veux que les armes pour le moment. D'accord, les bâtons sont dans les armures. Tout à fait. Alors on a pas assez d'argent. Tant pis. Bon, elle, il lui reste 304 balles. Hein. À moins que je trouve des affaires pour 300 balles. D'accord. Hein. Pourquoi? Ouais, d'accord. Bah, ça part vite. Ah, bah écoute, j'ai du matos, moi. J'ai du matos, moi, monsieur. Bah moi aussi. Tiens, je vais acheter le nécessaire accrochetage et compagnie pour Wolfie. Oh, on a tellement d'argent. Allez. J'ai envoyé une demi-pique que j'ai pu identifier, je savais pas que j'en avais encore une.
Il semble, bah oui, je t'en avais envoyé une en fait. Alors, toi, t'as que 1700 balles. Mais elle est un petit peu moins bien que celle que j'ai. Par contre, elle a la régénération, elle me plaît bien. Faut que je vois ce que c'est, ça. Alors, est-ce que je peux lui revendre d'autres choses à lui? Apparemment, non. Le tavernier lui reste 4 balles. Alors, ça va aller à Wolfie, ça va aller à Wolfie. Mais je peux t'envoyer une potion moyenne de soins. Voilà, je t'ai acheté ça. Oh, mais j'en ai plein des potions. Oui, mais comme ça t'en fait toujours plus, parce que c'est toi qui tank, donc... Ouais. Et si alors, je suis en train de soigner Volgraf, je peux pas tout soigner. Pas soigner tout le monde. C'est con qu'il n'y ait pas de soins de zone. J'avoue. Ah ouais, mais on était en lenteur dans ce truc de merde. Je me souviens. C'était horrible. Est-ce que tu te souviens qu'on était en lenteur dans le désert ? Ouais, je me souviens. Ouais, j'ai pas l'impression. Est-ce que tu te souviens qu'on était en lenteur ? Bon, moi je t'attends aux portes du désert. Hein. Ouais, j'arrive. Parce que forcément, un nain dans un magasin, ça prend son temps. De quoi ? Un peu vrai, ouais. Ah, par contre, attends. Petite question. C'est normal hein, pour la sauvegarde. Parce que je me pose une question. Les Immaculés qui étaient sur la route qu'on n'avait pas tapé, est-ce que c'est pas devenu nos ennemis ? Peut-être, je ne sais point. Eh bien, écoute, non. Ils dorment paisiblement. Moi, je vais tester un truc. Putain, mais j'ai trop de matos, faut en vendre, moi, ça m'énerve. Révèle les ennemis invisibles, retire les effets de chaleur, brûlure et hâte. Donc déjà, je pourrais leur retirer hâte aux araignées. Ils ont souvenir qu'elles le font. Voilà. Terminé. Et alors, il y a des trucs qui vont être renvoyés. J'avais pas un truc qui retirait lenteur, moi. Voilà. Ouais. Ok. Ça retire lenteur, mais que pendant un petit moment. Peut-être si tu veux, je peux te faire des potions de résistance au poison. Mais j'en ai en plus. Ah. Après, c'est que 25%. Hein. Bien. Je peux faire une flèche pour Elberes. Ah oui, j'ai une grenade. Quel bordel cet inventaire. C'est clair. Sinon j'ai 45 000 balles. À peu près pareil.
quoi peut bien nous servir tout cet argent? Je sais pas si tu te souviens des RPG où à chaque fois t'as plein d'argent et puis t'arrives dans la zone suivante et les trucs c'est des prix de ouf. Ils font que bah tout ton argent tu le claques et que t'as même pas réussi à acheter tout l'équipement quoi. Oui, les jeux à la Final Fantasy ou des trucs comme ça. Ouais, par exemple, ouais. J'ai 150 000 balles. Attends mon gars, dans la zone suivante tu pourras t'acheter une dague avec 150 000 balles. Mais... Alors, je t'envoie des parchemins. Des parmachins ? Ça ne sert à rien les parchemins. J'envoie des flèches à Bédor. Allez hop, on va repartir de là. Y a Ralphie qui est là, c'est normal. Qui ça? Ralphie, la créature. Ralphie? C'est celle qu'on doit soigner. Et où? Là, à l'entrée du forgeron, avec Kadraskaz. Non, c'est pas normal, enfin je pense pas. Alors Kadraskaz d'ailleurs... Ah non, c'est le marchand itinérant, Kadraskaz. Ah. C'est le gobelin. Ah, il a plein de sous. Il a plein de sous. Non, le nain a trouvé un deuxième marchand. Tu sais que c'est un marchand gobelin. Plus vite. Oui, oui. Tu n'as pas le droit. Oui. C'est interdit. Dans la... Pourquoi? Parce que les gobelins sont nos pires ennemis. C'est ça. Bon, un nain qui n'a pas de valeur, c'est fou. Hein, lenteur peut échouer dans le désert. Ah bon? Bah ouais, ça a échoué deux fois sur Bédor. Ouais, moi 4 en PA quoi. Contre les araignées. Il y a une âme tourmentée. Je sais pas ce que ça fait. Il y a un village. Ah, mais c'est parce que le village des gobelins, d'accord, on n'y a pas encore été. On a vu le téléport, mais on n'y a pas encore été, d'accord. Ah bon? Oui. Oui, c'est au-dessus du désert. Plein de ceintures et d'anneaux à revendre avec lui. Alors. Des œufs. Alors, si on passait par là. Où est-ce que ça nous menait là à droite? Bon, on peut faire un détour pour atteindre le village gobelin. Et donc affronter moins d'araignées. Est-ce que c'est une bonne idée? T'as vraiment un XP? Encore faut-il savoir les battre. Je te rappelle que le premier badge d'araignée, on s'est fait laver le cul parce qu'il y a deux... Il y a deux Immaculés avec eux. Et on a progressé depuis. C'est vrai qu'il y a un coffre vide là. Nous avions vidé. Plutôt. Sinon, on peut essayer de passer en fufu. Le truc que nous avons jamais fait dans tout le jeu. Un peu comme utiliser la ruse. Utiliser quoi?
Voilà, fini mes emplettes. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. On ressort. Alors, il est où? Plus qu'à attendre le nain. Je suis sur le chemin, je viens de passer les Immaculés. Je sais, je te vois. Cours, mon petit Brodaf, cours! Le désert est à notre portée, mon petit Brodaf. Comme ça, si jamais on meurt, t'as pas besoin de refaire tes emplettes. Tu veux tryharder les araignées alors? Ouais. Ce sont des elfes morts. Culte de l'araignée. C'est pas des immaculés. C'est pareil. C'est des cons. Ah, d'accord. J'ai 4 PA, je ne peux rien faire. Par contre, pourquoi j'ai plus d'armes, moi? Bah, je ne peux pas te le dire. Tu aurais pas revendu? Bah, tu peux pas revendre tes armes. Si. Tu peux revendre tes objets équipés? Il me semble, ouais. Mais ils sont jamais apparus, moi, dans la liste, pourquoi là ça l'aurait fait? Et si tu les équipes en combat, ça va te prendre des PA. Hein. Bah ouais, si je les ai revendus. Alors que ça me l'avait jamais fait avant. Super. Ok. Super. J'essaye, j'ai plus d'armes. C'est bon ça. Elle va être très chiante celle-là, si t'es portée comme ça. Bon, après, c'est pas comme si j'utilisais souvent mes armes. Ah ouais, mais ça t'apportait des bonus quand même. Bah ouais, mais je les ai plus donc ça sert plus à rien. Voilà, c'est tout. Après, tu peux toujours les racheter au marchand. Mais mon argent? Parce qu'il va multiplier le prix par 10. T'auras quand même de quoi l'acheter. Oui, mais ça me dégoûte. Parce qu'en fait, dans tous les marchands que tu fais, ça l'a jamais fait, mais celui-là, ça l'a fait, tu vois. Non, non, normalement, dans tous, tu peux revendre tes armes si tu suivant l'onglet que tu choisis. Ça me l'a jamais fait. Bref. Je ferai ça entre des épisodes. Si on survit. Aïe. D'accord. Sûrement décédé. Je sais même pas si je pourrais être soigné. Je sais même pas si j'aurai assez de PA. Mmh.
J'ai pas touché. Eh bien. C'était pas loin. Je peux soigner. Volgraf, il est plein de PV. Non, pas vraiment. Il a la moitié de ses PV, Wolfie. Enfin, un peu plus que la moitié, mais il est empoisonné. Un soin nouveau. Faiblesse. J'ai donc lenteur, empoisonnement, faiblesse et on m'attaque de flanc. Et elle, elle vient de tout faire péter. Du coup, je ne peux pas faire de tourbilol. Du coup, nous allons tous mourir. Ouais. Par contre, c'est ton sort qui me... Non, je sais pas, il y a un sort. Une attaque me coûte que 2 PV. Alors, j'en ai que 4, mais... Ah, parce c'est que normal, je suis... Oui, faiblesse. Oui, parce que le faiblesse. Ah d'accord, c'est sympathique ça. J'adore ce qu'il fait. Ah non, je dors moins là. Tu sais pas, il a fait quoi? Volonté moins 5. Ah, il m'avait fait un aveuglement mais je suis minisé et après il m'a fait une volonté moins 5, ouais. C'était pas ce que je voulais faire. Ah oui, c'est les attaques d'opportunité à main nue, c'est pas terrible. Aïe. En plus, t'es encombré. Trop de choses à porter. Ouais, ouais, mais t'en... Bon, je me suis auto-brûlé, mais elle aussi. Pour une fois, c'est pas moi. Je le redis, hein, quelquefois que... Bien. Alors, est-ce que je fais le kaboom? Je suis à côté de toi. Oui, je sais. Et t'as plus des masses de PV en plus, donc... Ça me fait... Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Mais ok, ouais. Pardon. Toi, tu meurs. Il est pas mort. Mais il est congelé. En deux mots ? Hmm ? En deux mots ? Oui, certainement. Ah. Là, j'ai mes brassards qui sont cassés maintenant. Les coups critiques, Wolfie. Hein.
Ah oui, par contre, quand la faiblesse s'en va, l'équipement il revient pas quoi. Va falloir se rééquiper. Qu'est-ce que tu croyais ? Tu croyais que c'était un jeu sympa ? L'autre qui est quasiment morte à côté de toi. Il en reste une au fond. Alors, celle du fond, est-ce que je peux l'atteindre ? Elle est où ? Elle est là. Elle est hors de vue. À cause. Alors que je me déplace un peu. Elle est toujours hors de vue de toute façon. Et j'ai plus de vie. Hein ? Ah, je suis mort. D'accord. Comment elle peut se téléporter super loin ? Là, je pensais pas qu'elle aurait pu venir me taper, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais éloigné. Allez, Bédor ! Bah, Bédor, la cible est hors de vue. Ouais. Est-ce que j'avais quoi le fil ? Décaler encore un peu. Wolfie va bientôt mourir. Hein. Ouais. Elle est toujours hors de vue. Je vais prendre une petite potion, je pense. Voilà. C'est chiant. Ça, c'est le genre d'ennemi qu'on aime bien, ça. Punaise, ouais. Ça, c'est dans tous les jeux, t'adores cet ennemi là. Tu sais, qui se TP, qui vient te taper, qui se re-TP de l'autre côté. En vrai, c'est le gobelin de Donjons et Dragons, mais. Oh là 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 là. Ça, c'est Volgraf qui m'a fait prendre des dégâts. Toujours le même. Oh, tout de suite. Allez, dis-moi que je peux la toucher là. Hors de vue. Pourquoi hors de vue? J'ai une ligne droite là. C'est la pente? Bah, je pense pas, y a pas de pente. Enfin, nous on est en surplomb donc techniquement. Ah oui, mais l'étourdissement a échoué. Ce n'est pas très grave. Ah là, je peux la toucher. Manqué. Encore faut-il ouvrir les yeux. Pas donner à tout le monde, hein. Gna 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 gna. Dis celui qui joue Bédor. Ouais. Oh l'autre, il m'a fait la double combo là. Je vais me rééquiper moi quand même. Je pense qu'en fait au lieu de descendre comme des cons on aurait dû se rééquiper avant. J'ai pu mettre que ma lance mais... On se sent mieux en se soignant. T'avais une super potion, toi. Une grande potion, ouais. Coup critique, bravo. Qu'est-ce qui lui arrive à Bédor? Elle a touché deux fois d'affilée. Ah là, il pourra pas se téléporter, on est d'accord. Mais... mais cet ennemi est pété. Coup
Donc, par contre, il va se reprendre une potion, lui. Heureusement qu'elle a pas beaucoup de PV, quoi. Il aurait plus de potion. Ah non, hop, l'eau potion. Je peux me mettre de l'armure, par contre. Bah, ah, plus potion. On va se prendre de l'armure. Alors, hop, on va lui foncer dessus. Renversement échoué, bon, au moins si elle se met là, je serai à portée de taper. Quel talent, hein. Des fois Bédor m'impressionne. Non. Et je crois qu'on a perdu. Eh oui, on n'a pas le droit d'avoir les deux persos principaux de mort. Eh oui. Mais ceci sonnera le glas de l'épisode. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Bye bye.